bizarre, on dirait que le coffre est dans la terre en fait. Ah, c'est là. Ok. Là, il faudrait activer toutes les... Non, si. Oula, est-ce que je vois ce que je vois? Tellement rare. Hop, moi. Il y a la tête de l'autre côté, non? Non, il y a vraiment pas beaucoup, hein, des nectars de fleurs. Hein. Attends. Je crois que j'ai compris. Oui, c'est ça. Faut activer toutes les plaques de pression lourdes et les plaques de pression légères. Chacune activant un terminal que tu valides. Hey, salut Calaste. Ça va bien ? C'est une bonne journée. Il y a un défi de déplacement et tout là-bas. On va faire ça. Ça va aller les poulets hein. Encore une fois, je suis désolé hein, pour les petits ralentissements pendant le stream. Je peux malheureusement pas faire beaucoup mieux. Il faudrait que je descende. Il y a un truc sur lequel je me suis interrogé. Et d'être en...
En 144 Hz avec G-Sync et tout, je sais pas trop ce que ça donne hein, concrètement. J'aurais peut-être limité à 60 FPS vu que de toute façon il ne sort que du 60 FPS en stream. Aller au-delà n'est pas très utile normalement. Bientôt fini le jeu, bientôt je sais pas, mais en tout cas ça avance. Petit à petit, mais ça avance. Je sais pas si je les ai déjà. Oui, je les ai déjà eu, ok. Je les ai déjà apprivoisés. Ah, vivement que du matériel soit dispo. Ça me casse les pieds de devoir faire des lives de qualité médiocre. Athéna a fait de nombreux cadeaux aux mortels. Ceci venait lui rendre la pareille dans son temple. Ah ben enfin quelque chose qui a du sens. Les mortels ne servent pas à grand chose, mais j'aime bien les cadeaux. Une blague. Ferme dès maintenant en fait ça. C'est pas censé assurer stabilité de 9 par seconde en ajustant les résolutions des scènes gourmandes en ressources. Ah non, je peux pas le faire comme ça en fait.
Je sais pas si ça va arranger vraiment les choses ou pas, ou s'il faudrait que je bloque un 60 Hz de base. Hein. Le fait de sortir d'une plus d'images, mais d'encoder en 60, je sais pas si ça va concrètement aider à quoi que ce soit. Bref, on peut essayer. Hein. C'est plus fluide, tant mieux. Sinon, ça changera pas grand chose. Ça ne me plaît pas. Je viens de voir énormément de lasers, ça ne me plaît pas. Merde. D'accord pour dire que ça a mal fait terminer. Ah, je suis passé. Pardon. Incroyable. J'ai pas cru quoi. Bon, j'ai perdu un peu de vie, c'est pas grave. Dû à la chute, j'aurais dû amortir un petit coup. C'est pas la mort. Coucou ma pixel. Oh bah voilà. Tu vas avoir du succès quand il y aura la, Kitty Cam. Bah oui. Non, c'est, du coup, il y a des trucs à allumer partout en fait. Encore ailleurs, je crois. J'ai juste acheté un coup d'œil. Oui, il y en a un de l'autre côté. Hein. Ok. Ok. Jeu du taquin. D'accord. Bon, je dirais que ça, ça va là. Et ça, ça va là. Pas cher payé. Cet endroit pour en faire du temps.
fait de cette île, créée pour rivaliser avec l'Olympe, un paradis pour les dieux. J'ai accompli tout ceci dans l'espoir qu'il m'accorde, l'unique souhait que je sais désormais comment réaliser. J'étais persuadé qu'en échange de ce cadeau sans précédent, il me rendrait mon fils. C'est vrai que du coup il y a encore tous ces trucs là. C'est-à-dire que là pour chaque lumière allumée, c'est chaque truc lié du. Non, c'est comment il s'appelle. Non, c'est pas Icar. C'est le père. Dédale. Je crois que c'est Dédale. Donc il me reste encore 3 défis à faire pour compléter le truc à Dédale. 4 défis. Bon, on va arriver tranquillement à minuit. Du coup, je me demande si je basculerai pas sur quelque chose d'un peu plus chill, hein, comme j'avais dit en début de soirée. Ah, mais il y a des trucs que j'ai pas fait là, si. Il y a des trucs que j'ai pas fait là. Il y a de l'ambroisie et tout. Pardon. Du coup, Wolfish, je sais pas si t'es là. Je voulais te proposer éventuellement si tu voulais faire du DRG ou du SnowRunner. Si ça te disait. Éventuellement. Et l'ambroisie est sur le... Et sur la façade du temple, en fait. Il y a encore un coffre. Juste là-dessous. Ça c'est fait. Ok. Il est peut-être là-haut. Il est peut-être là-haut. Yes.
Merde. C'est ce que je voulais faire. Ok, donc ça c'est fait. C'est mieux. Et on continue. Oula, alors attends. Oh, il m'a eu. Ça c'est le petit coup de corne. Ça c'est paré. Ok, il y a pas mal de choses à faire dans le coin. Il y a un défi constellation qui va durer environ un bon milliard d'années. Statue pigeon. Une pigeon chouette. Y'a que ça à faire ici? Y'a un coffre là. Le coffre est un peu loin, j'ai l'impression. Attaquez! Nous devons protéger les hommes de l'environnementalisme de Typhon. Les dieux! Les combats contre les griffons là, ils sont quand même pas terribles. Hein. C'est pas. Ils ont fait des bestioles quand même bien plus intéressantes à combattre. Hein. Globalement.
Ah, le coup de corne, j'aurais dû l'éviter là. C'était facile à éviter aussi. Hein. Mais ça va aller? Là, accroché dans l'arbre, ah Félix oui. vit la toison d'or. Ah oui, d'accord, celle ok. Celle que Jason avait pour mission de se procurer. Je crois que c'était bugué. D'un roi mortel. Non, c'est la toison d'or qui pend à une branche en fait. Ok. Je comprends mieux. D'accord. Ah, ok, c'est qu'un interrupteur sur deux. Encore autre chose à faire. Et... Apparemment on peut nager ici. C'était pas bien dur. Très bien. Il y a que 4 perles. Oh, ça devrait aller vite en fait. Pas vite. C'est relatif bien sûr, mais. Les filles constellations en général, ça n'est jamais très rapide. Il y a beaucoup d'ambroisie chez Athéna, je trouve. J'aurais bien voulu comprendre pourquoi elle a pas grimpé là. Mais voilà, merci. Voilà, ça a été rondement mené. Ah, ok.
Ça va être chiant. Ils ont une imagination quand même sur les énigmes, hein. Globalement. Ok, une de plus. Des lasers. Oh bien. Pardon. Oh joie. Oh joie intense. C'est simple en fait. C'est simple. Avec le pouvoir d'Héraclès, c'est simple. Dans le clone de phosphore et le pouvoir d'Héraclès, c'est vraiment... Si tu veux te simplifier la vie, c'est les trucs à prendre, mais genre dès le début du jeu, quoi. Le plus tôt possible, en tout cas. C'est assez dingue. Hein. Bon, ça te facilite la vie, quoi. Ok, plus qu'une. Alors, est-ce que je peux trouver la dernière? Eh bien là. Simplement. C'est vrai que j'ai toujours pas réglé ce problème là. Hein. Alors, comment je te débloque toi? Ah oui, ok. Oh non, c'est bon. Ça devrait être réglé assez vite. Bon, ça, plus ça. Voilà, ça doit suffire. Pékin. Ah, là on cause. Voilà. Médée promit à Jason de lui apporter son aide s'il acceptait de l'épouser. Alors, quand elle découvrit le serpent qui protégeait la toison d'or, elle utilisa une de ses potions pour endormir le reptile. Et ensuite, ce petit crétin l'a trahi et lui a brisé le cœur. Oui, c'est vrai en plus. Dans l'énigme, c'est comme ça. Enfin, dans l'énigme, dans la légende, c'est bien comme ça. Bon, on va aller chercher la stèle d'Achille. Pendant la guerre de Troie, la fureur d'Achille ravagea les forces troyennes, jusqu'à ce que son talon entraîne sa chute. Ah, pour un mortel, il savait y faire, hein. Sans pitié, le gars. Mais il savait être tendre aussi. On sentait qu'on pouvait lui ouvrir son cœur. Zeus ? Bon, ce n'était pas un dieu, mais il y avait du niveau. Non, non, le bonhomme était fortiche. D'accord.
confiant, Achille. Le fleuve Styx te protégeait de tous tes ennemis. Mais hélas, pas entièrement. Réparer la statue d'Achille. D'accord. Je pense que c'est... bonjour. Oh, joli. Joli, mais ça ne changera rien. Je suppose que c'est ici. Pas du tout. Ah non, c'est là-bas. Bon, du coup j'ai un bout de pied. Le fameux talon en question. C'est arrivé quoi. Durant la guerre, Achille eut une dispute avec le roi Agamemnon. Ah mais ça, je m'en souviens. C'est la guerre de Troie, ça. Il a arrêté de se battre pour les Grecs. Ce qui eut des conséquences désastreuses. Ainsi, il ne faut pas négliger le libre arbitre des mortels. Je m'attendais à une arène de combat. Voilà, j'ai aucune idée de comment je peux faire, quoi. Ou alors il y en a avec des timers différents. Comment j'ai fait une attaque pareille ? D'où il sort, lui ? Ok, d'accord. Ok, je suis nul.
Voilà. Bien meilleur à ça. Bien plus simple. Ok, attends. Ne faisons pas la même bêtise que tout à l'heure. Il y a un coffre à récupérer. Et ce coffre, il est... là. Son orgueil avait condamné Achille. Et bien avant que cette flèche ne lui transperce le talon, Prométhée. Mais on se souvient de son courage et de sa résolution. Oh, ça va être chiant. Ouais. Ah non, c'est bon. En fait, avec le contrôle de vitesse de la, des flèches, c'est quand même nettement moins chiant. Faut même l'admettre, quoi. Du coup, ça c'est pareil, pouvoir débloquer rapidement, quoi. Pouvoir contrôler la vitesse de la flèche, ça facilite tellement ce genre d'épreuve, quoi. Après avoir étudié deux des héros, Phénix avait la tête emplie de leurs récits. Elle se retrouva à admirer la statue d'Achille. Il y a de quoi, non? Regarde-le. Salut Achille. Tu as dû en apprendre des choses pendant tes aventures, non? Ou alors, tu n'as jamais eu besoin d'apprendre quoi que ce soit. Peut-être que les gens comme toi et mon frère devinent toujours tout. Quelle importance si c'est dur après tout. Tu n'étais pas parfait et quand on voit ce que tu as accompli, et j'ai Athéna pour me guider. Merci mon grand. Ça m'a fait du bien de discuter avec toi. Et pense à protéger ce talon, hein? Je sais plus comment il a eu son invincibilité. Je crois qu'il a, il a pas été plongé dans le Styx. Je sais plus comment... je sais qu'il avait la peau qui était devenue impossible à transpercer. Et qu'on l'avait tenu par le talon et qu'on l'avait plongé dans quelque chose. Je me demande si on l'avait pas plongé dans le Styx ou un truc comme ça. Et du coup il y avait juste le talon en fait qui était... qui était encore vulnérable parce qu'on l'avait tenu par là au moment de le plonger. Je sais plus dans quoi c'était. Je me demande si c'est pas le Styx ou un truc du genre. Alors, il y en a encore un coffre ici. De l'ambroisie ici. Les dieux oh merde! Ce monde, mais je suis la perfection! La chiante de service. Le Styx, ah ouais, d'accord, c'est bon. Ouais, ça, j'avais un doute, merci. La confirmation. Ta mère Tétis qui le trempe dedans, ouais. Exact. J'étais plus très sûr de moi pour être honnête. J'avais un gros doute.
Les figues de l'Olympe, on en a. Mais... poison. Nectar des fleurs, il n'y en a jamais. J'ai l'impression que c'est plutôt au bord de l'eau que ça pousse. Ou alors j'ai vraiment. C'est une coïncidence, mais j'ai l'impression d'avoir la plupart du temps récupéré des nectars de fleurs au bord de l'eau. J'aurais peut-être aller me balader au. Les bords des rivières, remonter un peu les bords des rivières pour voir un peu. Ah, mais je suis en train de me casser les pieds avec une pierre alors qu'on s'en fout. En fait, c'est pas du tout ça. J'ai juste à faire. Ça. Ça. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, tant pis. Ok. Normalement, il y a une ambroisie qui doit être. Ah. Et donc, ça semblait bien que j'avais pas résolu le truc à la loyale. Hein. Bref, ouais, c'est chiant, c'est pas grave. C'est un peu bizarre. Ah, l'ambroisie est là-bas. Pardon, mes excuses.
Il est où? Ah, il est là. Oh, j'aime pas, c'est... Je déteste les cerbères. Je crois que c'est pire que les ours encore. Mais non, mais... Mais tu es là en fait. Aïe, hop, ouais. Je viens d'arriver. Ça va bien? Ça roule et toi? Ouais, ouais, ça va, ça va. Je comprends rien du tout. Il y a rien. Elle est vide cette crypte. C'est improbable. Bizarre. Ouais, alors là carrément quoi. Ah si, ok. J'ai l'impression que. Dans la région d'Athéna, c'est très 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 basé sur l'arc quand même. Il n'y a qu'un seul coffre. Non, 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 non. Thank you.
Ok. Oui, c'était pas bien compliqué en fait. Bon bah c'est pas mal. Il y a ennemis infinis quoi. Oh. On les piaf là. Tu galères un tout petit peu. Pour les ennemis autour de toi. Oh, y'en a beaucoup. Oh, sérieux? Oh non! Ah! Eh ben, c'était pas évident là. Ils étaient nombreux. Oh non. Ma perfection va recouvrir ses terres. Je suis traumatisé par Atalante quoi, c'est. Surtout son ours. Oh l'ours d'Atalante. Qui n'en veut plus. Ah ouais, l'ours d'Atalante. L'idée d'Athéna d'atteler des bœufs pour le labourage le pauvre, a été utile à ses fermes. Ah ouais, complètement. Sur un sol si riche, les récoltes étaient abondantes. Ouais, je récupère cette ambroisie. Ça sera bon pour ce soir. Ça doit pas être bien compliqué. Bon, je rentre là-dedans. Go, go, go. Ah, c'est là-bas. Il faut que tu ailles voir l'oracle. Je vois des... Non, pas. Oh, Cerber. C'est pour les
dessus encore une fois. Voilà. Pour Elena, je me battrais pour Typhon s'il remboursait la garde des enfants. Il a jamais cru en moi. Bon bah mine de rien, à force de papillonner dans tous les sens, ça remplit la map, hein. C'est petit. Il faut 9 poudres de Zeus. Ah, par contre, c'est le dernier. Le dernier écran, quoi. Tu as de l'électrum qui te brûle les poches? Les gros plans successifs me font mourir de rire. Ça fait tellement pas sérieux. Le jeu du nymphe. Un peu. D'amélioration possible. Ah, la tristesse. Bon, tant pis. Du coup, améliorer ça. Améliorer. Ah. Et ça. Quoi que ce soit, dis-le-moi. Est-ce que je peux améliorer une arme, quelque chose? Tristesse, tristesse infinie, c'est pas le cas. Bon, tant pis. Et ben voilà, c'est bon. J'ai tout amélioré ce que je pouvais. Je viens de passer les 50 heures. Chéchée.